Vu que le budget était vraiment minime, je voulais avoir quand même des images de bonne qualité. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu de tournage extérieur ou intérieur ou en décor. Ou... Je savais que j'aurais pas les moyens. Donc tout seul à ma table de dessin, au moins c'était un bon moyen de maîtriser les images, quoi. Les objets, c'est des photos en fait, c'est comme du collage un peu. Pour moi, la cigarette, c'est un truc horrible. Pour moi, ça illustrait bien le côté usine, le côté fumée, le côté puanteur du monde qui nous entoure. Donc j'ai décidé de la mettre en gros plan, enfin en objet réel en tout cas. J'adore mon squelette qui danse, j'ai quand même mis une semaine à l'animer, os par os. C'est super long parce que je voulais que ce soit le plus fluide possible, donc j'ai fait un maximum de dessins. J'avais envie de faire de mon clip comme un gros panneau signalétique qui allait dire attention, attention, qui allait clignoter, quoi, et comme les flashs d'ambulance ou les panneaux de travaux. Les petites voitures, je les ai trouvées sur une brocante. Là, par exemple, c'est un robinet réel. Avec de l'eau qui coule, et j'ai rajouté des petits effets de brillance sur l'eau parce que je voulais montrer que l'eau était précieuse. Et au début, je voulais faire couler des diamants, mais je trouvais que c'était un peu trop lourd, quoi, comme image. Donc là, c'est plus discret. Je voulais imaginer le moment où on pourrait plus utiliser l'eau qui sort de nos robinets. Faire attention à des choses précieuses qui paraissent qu'on prend un peu pour acquises. Faut pas se dire on aura ça toujours, donc on peut éteindre l'électricité, on peut couper l'eau, on peut utiliser un vélo, enfin voilà, il y a plein de choses. Ça me paraît juste logique de faire attention à ce qui est autour de nous. À ce moment-là de la chanson, c'est très saccadé. Ça fait tac 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 comme ça, mais même plus vite. J'y arrive pas à le faire. Ça me faisait penser à une pelleteuse, quelque chose des travaux. À ce moment-là du clip, on rentre aussi dans l'œil du personnage principal. Et on peut imaginer donc qu'on rentre dans sa tête. Et je voulais marquer ce passage du clip de façon très flashy, quoi. Enfin, très stroboscopique, c'est le bon mot. Hein. Au début, il y avait beaucoup d'images avec des fonds jaunes, qui était un peu comme l'introduction, la vie normale et tout. Là, elles sont sur des fonds rouges, donc la musique s'accélère. Enfin, il y a des bruits en plus, il y a des couches de musique supplémentaires. Ils crisent, quoi. Ce qui m'a intéressé aussi dans l'approche des Anglais de la Black Smoke Organization, c'est que pour moi, c'était la première fois qu'on me parlait du réchauffement climatique, mais de façon fun. C'était inclure un côté pop dans la gravité du sujet du Danger Global Warming, tatata. Ce bidon, c'est une voisine qui se promenait avec dans la rue.
Et je l'ai arrêté, je lui ai dit, j'ai besoin de votre bidon, ça me donne une idée. Et j'ai décidé de le mettre comme un objet réel dans le clip. Mais je lui ai rendu après. Et l'idée aussi, c'est que d'ailleurs les clips puissent passer sur MTV, c'est-à-dire faire passer le message contre le réchauffement climatique sur des chaînes plus où on voit des filles qui nettoient des pare-brises de voitures en maillot de bain. Enfin, voilà, mélanger justement, faire passer le message auprès des jeunes et tout ça, mais de façon pop.